Voilà, je redémarre l'enregistrement. Contact dans le schmilblick. Qu'est-ce que je peux faire? Rejoindre ta partie. Non, j'ai pas encore fait. Alors, je peux déjà lancer le jeu éventuellement. Ouais, Oui, bah je oui, je prends vais le truc. configurer les touches. Puisque je viens Et de là, tu l'installer. Je vais déjà configurer les touches, pardi. alors. Alors, vous voyez encore ma tronche. Tant que j'ai pas fini de configurer comme je le souhaite le jeu, je vais vous mettre ma tronche. Je préfère ça, on sait jamais. Si par malheur je devais faire le. Comment on appelle ça? Le. Faire sauter le. L'image, je vous préviens. Vous soyez pas pris par une mauvaise surprise. Voilà, déjà les touches. Alors, attends, contrôleur. Non, non, je vais pas le faire à la manette. Interagir, sauter. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Oula. D'accord, se laisser, ok. Appuyer pour parler. On n'aura pas besoin, on trichote avec. On trichote avec. Prout. Mon Dieu, t'es en train déjà de m'envoyer des messages sous Steam, mais je peux pas avoir 50 fenêtres ouvertes partout. Attendez, alors là, ça a peut-être sauté un peu l'image. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, j'ai fait la demande d'invitation. Ah, pardon, je suis un abruti, mais bien sûr. Rien Merci. de plus pour l'instant. Non, mais c'est moi qui suis nullissime, comme d'habitude. Faut plus s'étonner. Alors, peut-être que le son est un peu trop fort. Enfin, ça fait bizarre de voir Digipsycho et Nana Mouche Pourrie. C'est quoi? Ah, c'est Mais il a bizarre, rien dit, rien. d'accord. J'essaie de comprendre l'interface de jeu. En fait, Explorer. Explorer ou Libérien? Libérien. Le libraire, je crois que ça se traduit comme ça, Non, je librarian. pense pas que c'est Libérien. Bah écoute, je veux bien être à la page, je veux bien être le libraire. Bah visiblement, j'ai dit que j'étais prêt. Attends, attends. Voilà. Ah! Bon, allez, Zou, je peux vous mettre le jeu, les gens. Regardez. J'espère que c'est pas trop fort au niveau du son du jeu. Il n'y a pas beaucoup de son là-dedans, là, ça va aller. Ah, il y a un habillage sonore, il y a une belle musique. Oh, je pense que c'est pas assommant. Mais je reste attentif à vos commentaires dans le chat. Oula. Il était une fois une équipe de spéléo Mont-Blanc. Alors, ils sont quatre, visiblement. Repérage avec fusée de détresse, une demeure. Une demeure qui semble être bâtie au milieu de nulle part dans la montagne glacée. Un semblant de Au demeurant. château. Au demeurant, c'est un château, on dirait. Ou une demeure. Ah, la vie de châtelain. C'est quoi cette ombre? Voilà, ça fait flipper. Pas mal, j'aime bien la patte graphique, enfin la manière dont c'est dessiné. Nous sommes ici. Alors c'est très très sombre. J'espère qu'on a une lampe torche. A Ah, c'est priori, mieux. on est arrivé. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, par contre je comprends pas. Oula. Ah oui, les touches, ça va être délirant là. C'est super sensible, hein, les machins. Wouah! Qu'est-ce que c'est que ces codes? J'ai une fiche avec des codes de ma boule. Attends, on va avancer après. Peut-être, non. Apparemment, il y a un bouquin. Ah! Alors, la rose, le dispositif de dynamite en haut de la montagne. Après, le troisième symbole, je sais pas ce que c'est. Après, il y a un monsieur qui joue des maracas et il y a une maison.
Voilà le titre du livre. Ah, attendez, il y a quelque chose... Oh mon Dieu. Qu'est-ce que... Je peux zoomer? Non, je peux pas zoomer. J'essaie de lire, mais... Starting... The Far West... Démarrer le Far West... Ah non, Staring... Oh, je ne sais plus, c'est pas clair. Comment je fais? Comment ce fût-ce? Expliquez-moi. Ah non, mais là, je pige pas, là. Oui, d'accord. Et ensuite... Bah, je comprends pas. Test. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du test? Non, j'ai pris une radio pour te parler, en fait. Ah. Alors, moi, je manipule un livre, mais je ne peux pas ni le manipuler, enfin, si, le faire en rotation, mais je ne peux pas l'ouvrir, et je ne peux pas me séparer du truc. Ah, si, il faut faire échappe. Oh. J'ai un mur de briques, on dirait, avec des symboles dessus, comme des dessins. Eyes. Entre les yeux. Comment ça, entre les yeux? On m'a laissé un message entre... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un plan. D'accord, et après? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, ma salle est verrouillée. Et moi, de mon côté, j'ai une porte avec un gros volant que je peux rien faire avec pour l'instant. Attends. Mes portes sont verrouillées. Et par contre, mon mur avec la symbole, je peux appuyer dessus, a priori. Ah, j'ai un vidéoprojecteur. J'ai une salle de cinéma. C'est la chance, toi, d'avoir tout ça. Ah bah, je veux bien mater un film. Tu m'étonnes. Ah non, c'est un truc de diaporama. Sauf que le truc est vide. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, j'ai trois portes, elles sont toutes les trois verrouillées. Je suis piégé comme un rat. Ah, j'ai actionné un levier qui était mural. Attends, c'est trop étrange. Bon, la séance de ciné à l'étage, je verrai plus tard. Et j'avais un message comme écrit en lettres de sang. Qui me disait entre les yeux. Et moi j'ai The Answer Lies. Et IES. IES. Sous les mensonges. Lies, c'est mensonge. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Entre les yeux. Alors, j'ai interagi avec un levier mural. Quoi? Mais le levier mural a complété le plan qui était sur la table. C'est du délire. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça correspond pas à mon... D'ivoire. Là où t'es... Alors qu'on déclenche des succès, je sais même pas à quoi ça correspond. Est-ce que t'as pas plusieurs escaliers dans... Est-ce que t'as pas de nombreux escaliers là où t'es avec pas mal de couloirs? Non, j'ai une porte qui s'est ouverte là. Tant mieux. Et qui s'est fermée derrière moi. Ah, c'est moche. Tu progresses, mais peut-être dangereusement. Et là, je me retrouve dans une pièce avec... Il y a une porte fermée, forcément, une comptoise. Ouais. Un tas de bougies partout, un tableau avec une sorte d'autruche et un sac à dos dessus, on dirait. Ah, plein de poils d'araignée. Et un mur, enfin une sorte de tableau avec des symboles dessus. Ok, encore. Alors moi j'ai une pièce qui s'est ouverte et c'est le musée des horreurs. J'ai des Pokémon. Mais tu sais, mais ouais, c'est des Pokémon ou animaux de la mythologie. C'est, tu prends des animaux réels, mais tu fusionnes les parties entre elles. Donc t'en tires des animaux composés bizarres. Et c'est pas très beau. J'ai effectivement un cartouche sous chaque tableau. Et j'ai d'étranges symboles. Et t'as pas un livre qui dit qu'il y a une sorte d'autruche avec un sac dessus là, avec des symboles? Un livre avec une autruche et un sac dessus et des symboles?
Alors laisse-moi regarder, parce que j'ai pas mal de... Oh, petit Wookie. Est-ce que tu m'entends, Twinside? Ouais. Je suis ouais. La voix qui t'hypnotise. À ton tour devant ton écran, tu vas maintenant danser la Macarena. Hé, Macarena. Non, sérieusement. Ah, attends, mais je suis idiot. Je viens de trouver la bobine de film pour le truc à diaporama. Attends, je rechercherai ton bouquin juste après d'autruche avec le sac. Il y a un bouquin ou autre chose, je sais pas. Oh mon dieu. J'ai un bouquin, enfin, j'ai fait tomber la bobine. Ah, alors j'ai un gros souci là, je vais me faire une énorme bourde. J'ai fait tomber la bobine de film, mais elle est tombée sous le plancher. Ah, alors j'espère que c'est pas un bug, parce que ça va pas le faire. Ou un truc important peut-être. Attends, j'ouvre grand les yeux, mais là j'ai. C'est craignos. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un événement pas prévu. Ah bah elle est revenue sur la table. D'accord, ok. Ça s'est réinitialisé. Ouf. Attends, la bobine, on la met là dans le. Dans la machine, non? C'est ça? Attends, pardon. J'essaie de manipuler le projecteur. Non ? Je ne comprends pas. Par contre, je ne vois pas absolument parce que tu... Oui, non, mais t'es pas censé voir ce que je fais, moi non plus. Le stream est très sombre, hein, je pense, à mon aide de ton côté, donc... C'est le but du jeu. Non, mais ce qui me dérange, c'est... Attends, je comprends pas le coup du projecteur de film, j'ai pas réussi à l'activer. Et en même temps, je garde ta description de bouquin avec l'autruche et le sac. Mais je vois rien qui corresponde. Alors par contre, je te propose une chose. Je retourne dans ma galerie de portraits et je vais essayer de trouver ce que tu m'as dit comme image symbolique le coup d'un semblant d'autruche avec un sac. Ouais, enfin si c'est une autruche, je ne trouve que c'est comme détail, mais... Ouais, mais quelque chose qui ressemble. Oiseau, là. Une sorte de bip-bip pour te dire... On est d'accord que c'est bien alors une autruche, un oiseau qui est bien élancé, se poser sur ses pattes à la verticale. Parce que j'ai un équivalent à l'horizontale qu'on pourrait qualifier de pan. Ouais, mais non, mais il a une sorte de coquille comme un escargot sur son dos. Ouais, ça me plaît parce que j'en ai aussi, mais donc est-ce que l'animal est en verticalité, c'est-à-dire qu'il est fier comme Artaban, il est dressé en mode domination, bien sur ses pattes. Oui, oui. Donc, je crois savoir à quoi correspondent les symboles que tu souhaites avoir. Encore que j'en ai deux qui correspondent. Est-ce que les pattes sont bien au garde à vous comme un soldat, comme un peu, tu sais, le symbole 2 en chiffre romain? Ou est-ce que les jambes sont un peu écartées et palmées? C'est un peu palmé. Est-ce que les jambes sont écartées ou parfaitement parallèles? Presque parallèles, oui, on va dire. J'aime pas ton presque parallèle. Parce que ça fait toute la différence. Il y a debout le machin, quoi. Oui, mais c'est vite dit. Moi, j'ai deux animaux qui correspondent à ta description. Avec la coquille d'escargot. Il y a un ogre sur les pattes et au niveau de la queue, elle est vers le haut. La queue est vers le haut. Ah, ok, il est bien ton indice. Très bien. Alors, je vois ce que c'est. Donc, je vais te décrire. J'ai trois symboles, en fait, à te donner. Voilà. J'ai un semblant d'épi de blé fané qui est recourbé sur le dessus. Comme un épi de blé fané. Ah, et ça, c'est en quelle position, ça? C'est en première? Oui, je te fais, en fait, de l'ordre de la gauche vers la droite. Non, le système de lecture français. Ouais. Donc, est-ce que tu as déjà trouvé ton épi de blé fané? Oui, c'est bon. Le deuxième symbole, c'est un semblant de chandelier à trois branches. Un trident. On pourrait parler d'un trident avec des petites boules de protection aux embouts. Et il y a une base quand même de ce trident qui peut être vu franchement comme un chandelier, puisqu'on a l'impression de voir presque le symbole euro renversé pour une belle base, mais il n'y a pas les deux barres centrales, il n'y en a qu'une seule. Mais les boules, elles sont rondes ou carrées? Rondes. Rondes. Ça, c'est bon, j'en ai un. Attends, je le mets en place, celui-là. Ça correspond à mon deuxième symbole. Le dernier symbole, oh, c'est étrange. J'ai envie de te répondre qu'on dirait presque qu'il y a une antenne râteau. Une antenne râteau avec un triangle inversé en son sommet.
Mais le triangle inversé en son sommet dépasse un peu comme un tipi, une tente d'Indien. C'est comme si tu avais une prolongation en fait des perches, des bâtons qui tendent la tente, mais de manière renversée. Et ma porte est ouverte. Donc, la description que je t'en ai faite, je suis ravi, était la bonne. Bien joué, Tunsen. Et là, je suis dans une nouvelle salle. Est-elle climatisée par ses chaleurs? Et la salle en bas, elle est, on va dire, ma porte était... Il y a l'eau qui se remplit. Oh, dangereusement? Oui. Ah merde, tu risques de te noyer, merde. Et j'ai une couleur, c'est purple, écrit en vert. Purple, donc c'est mauve. C'est mauve en anglais. Mais attention, c'est écrit en vert. Il y a peut-être une subtilité, mais... Oui, c'est possible. Tu fais bien de le signaler. C'est peut-être pour toi, ça, là. Je sais pas trop où ça... Ah, j'ai une porte qui s'est ouverte. Alors, purple écrit en vert. Purple rain, purple rain. Oh, je descends. Je descends via des escaliers. C'est ça, c'est bon chez moi, hein. Ah, oui. J'ai trois valves. Jaune, rouge et bleu. Au pif. Ah non, attention, t'as des mélanges de couleurs. Rouge, ah, les couleurs primaires. Comment on obtient du vert? Bleu et jaune. Ok. Ça va? Non, ma salle est inondée. Quand elle commence à s'inonder, je suis sur des caisses. Et là, c'est comment? Toujours pareil. Ah merde. Ah, c'est bon, ça descend. Ouf. Alors, j'ai pas compris. Il voulait que je fasse du bleu et du rouge. C'est étrange. Ah, bleu et du rouge, elle fait du purple. Ah, que je suis un idiot. Voilà. J'ai précisé écrit en vert, attention, cas où. Ben oui, tu vois, et je me suis bêtement focalisé sur le vert, croyant que c'était la subtilité qui faisait toute la différence. Mais tu as bien fait. Bon, j'espère que t'es au sec maintenant, tu es une scène. Moi, je retourne tout en haut, j'essaye de me faire un film. J'ai mis la bobine, là, mais la machine... C'est écrit Brydon, the gliding light. Brydon, the gliding light. La lumière du chevalier Brian. Ouais. Oh, là, je suis dans une grande salle. Oh là là, il y a plein de trucs. Hein. Twin des statuettes. Il y a un bouquin. Ouais, j'attends. Attends. Par ce canal, je peux te suggérer des choses sales. Je vais peut-être trouver un indice pour toi, je sais pas, ou l'inverse. Ah. Non, moi, c'est le il y a une affiche au mur qui me fait très peur, parce que on voit des iris, on voit des yeux avec des iris de trois couleurs différentes à chaque fois dans les combinaisons. Et il y a des symboles de maboule. Et c'est chapeauté en fait en haut de l'affiche, comme le troisième œil, tu sais, l'œil dans la pyramide. Il a un portrait d'un chat qui bave. Un chat qui bave. Ouais. Il a la rage? Je sais pas. Oh, mais il y a un vrai noir. Mon dieu, j'ai un portrait de. De châtelain. Ah, sur les murs, il y a. Oh, attends, je peux bouger le truc? Oh mon dieu! Je peux me focaliser sur le portrait du châtelain. Bob Lennon quand il était jeune. Ou c'est le prince Chocobéen, je sais pas. Ah mon dieu. J'ai un autre tableau d'un chien avec une tête de bougie. Oula! Tête d'un chien avec une tête de bougie. Vous de Dieu. Ouais. Je visite hein, parce que j'ai pas. Non mais tu fais bien. Si c'est beau, tu prends des photos. J'ai pas de. Qu'est-ce que c'est ça? Y'a pas grand chose. Ah, un trou vert, mais j'ai une sortie verte. Tant que c'est pas la souris qui courait dans l'herbe. Voilà. Attends, sérieusement, je m'interroge. Je crois que je va falloir que tu me guides avec un plan ou une carte, hein, à mon avis, toi. Ah, j'ai ça en magasin, Twinsen. Je reviens là où il y a le précieux document. Laisse-moi le temps de déambuler dans mes pièces, s'il te plaît. Tu veux que je peux me rendre depuis tout à l'heure? Et toi, j'ai une carte. Merde, pourquoi j'ai perdu la projection des... Mais j'avais des infos et je les ai plus. J'avais une carte complétée et maintenant elle est de nouveau vierge. C'est quoi le délire? Il faut que j'appuie sur la machine de vidéoprojection pour avoir le... Ah, je pense. Bah mince alors.
Bizarre, ouais, pas convaincu. Bien, maintenant, j'ai pas grand chose. On est bien d'accord, de toute façon, les portes sont. Soit tu dois faire des choses de ton côté pour m'ouvrir les portes ou autre. Ouais. Je sais pas moi qui vais te contredire. Non, ma. J'ai un bouton bleu là. Attends, j'ai. J'ai le. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, il y a une déduction à faire avec les 5 différences avec les bouquins. Il y a quelque chose qui me perturbe. Merde, j'avais une info, je l'ai plus. Pourquoi l'info a disparu? Excuse-moi, je suis en train d'analyser des bouquins parce qu'il y a quelque chose qui me perturbe dans le. Je devine. Mince, sur la tranche du livre, il n'y a pas de numérotation. Donc il n'y a pas d'ordre. Pourquoi? J'avais l'info tout à l'heure, pourquoi je l'ai plus? Ah, je peux éteindre ou allumer des torches. Ok, c'est cool. D'une certaine manière, je t'envie. Entre les yeux. Comment ça? J'ai le message entre les yeux. Between the eyes. Attends, j'inspecte tous les bouquins que j'ai parce que ça me. Ça me perturbe. Je vérifie. Il faut que j'ai le réflexe de vérifier toutes les faces des objets 3D. Là aussi, c'est un. Vraiment, tu peux interagir, t'as un rond dessus normalement. C'est rigoureusement exact ta remarque et je t'en remercie. C'est vrai. Ça devient des heures le truc. Vivi. Non, je pense que j'ai plus rien à faire dans cette salle. Majestueuse avec les portraits, mais. On est bien d'accord que le bon portrait, je peux pas cliquer dessus. Le truc qui t'a guidé tout à l'heure. Ouais, non, j'ai pas d'ombre. Non, mais peut-être que je supposais que je me tenais trop à l'écart, trop loin de l'élément pour pouvoir interagir avec. J'avais pris du recul pour avoir une vue d'ensemble, mais. Non, au niveau des interactions, il n'en est rien. Il n'en est rien. Mais pourquoi j'ai plus les indications sur la carte? J'avais une carte complétée tout à l'heure, elle s'est revirginisée, je ne comprends pas pourquoi. Attends, on est d'accord que je ne peux pas interagir avec ça, oui, c'est un panneau de projection blanc. Pourquoi je ne peux plus interagir avec le projecteur? Tellement étrange. Ah bon? Ah, je peux réinteragir avec le. Ah! Attends, j'ai pu réinteragir avec l'interrupteur mural et ma carte est complétée. Alors oui, moi j'ai un plan qui doit correspondre à ta zone à toi, tu une scène, et j'ai des jeux d'interrupteurs avec des couleurs qui correspondent aux portes que tu peux faire coulisser. Oh merveilleux, on est mal barré. Il faudrait que je trouve un endroit unique qui corresponde à une description précise pour que je puisse savoir dans quelle pièce tu te trouves. Alors, j'aimerais que tu ailles dans une. Non, je vais faire plus simple. Je vais me mettre à ta place, mentalement parlant. J'ai un bouton bleu. Là, devant moi, j'ai un bouton bleu. Ah, donc je présume que là où tu as un bouton bleu, tu es dans une pièce où il y a 4 caisses. Ou 4 containers. Quoi? Ah bon? T'en vois 3? Ouais. Ouais, une échelle. Ah, alors peut-être est-ce l'échelle qui est gros rectangle. D'accord, tu as un bouton bleu. Laisse-moi réfléchir. Je crois savoir où tu es sur le plan que j'ai. Ah, je cogite, excuse-moi, laisse-moi 30 secondes. Et dans la pièce, j'ai qu'un escalier. D'accord. Je vois ton point d'arrivée et j'ai l'indication de ton point de sortie. Tu as un interrupteur bleu. Est-ce que tu as déjà interagi avec cet interrupteur bleu? Il est vers le bas. Alors, quoi qu'il en soit, tu sauras que lorsque tu vas jouer avec cet interrupteur bleu... Merde, ça s'est effacé. Oh non, ne me dis pas que c'est chronométré. Oh la misère, je vais devoir mémoriser le plan. Faire une capture. Ouais, capture cérébrale. Hein. Non, mais capture de Steam, tu fais avec F12. Oui, ouais. Non, mais on va jouer le jeu. Ah, c'est ça, le coup de la bobine de film. C'est le plan, en fait. Alors, je comprends pas trop comment ça marche, mais c'est la magie du démon.
Bref, quand interrupteur bleu, tu vas normalement te décongestionner et t'ouvrir d'autres accès. Est-ce que en jouant avec l'interrupteur bleu, t'as vu que t'avais un corridor qui était plus grand? Enfin, plus grand. Tu te libérais un accès, tu pouvais continuer ta progression. Oui, non? Non, j'ai continué. Là, je suis devant la porte, mais elle est fermée. Alors, il faudrait que tu joues avec l'interrupteur bleu pour que... Je suis parti à droite, hein, en fait, quand je suis sorti. D'accord. Alors, en fait, c'est l'interrupteur qui... Oui, ça correspond à ce quoi t'as fait face. Sauf que là, c'est pas intéressant. Il faudrait que tu partes à gauche. C'est à gauche que tu... Par rapport à l'interrupteur, il faudrait que... l'interrupteur bleu, il faudrait que tu partes sur ta gauche. Et quand tu vas essayer d'aller au plus loin du couloir, à un moment, tu croiseras l'interrupteur vert. Je l'ai déjà croisé, le vert. Ouais. Donc là, je vois la porte bleue qui est ouverte. C'est bien. Au bout, tu dois avoir l'interrupteur vert. Oh ouais, je le vois, je l'ai actionné déjà. C'est bien. Donc maintenant, tu reviens sur tes pas, là où tu avais l'interrupteur bleu. Sauf que au lieu d'aller dans la salle d'interrupteur bleu, tu continues dans le couloir. Tu devrais arriver dans une nouvelle salle qui a été déverrouillée avec l'interrupteur vert, qui va te présenter l'interrupteur rouge. Mets-toi en quête d'une salle de stockage. Retourne au bleu, là je passe devant le truc du bleu. La porte bleue, la porte qui nous rend. Elle est fermée. Il faut que j'aille courir. On s'est fait houillonner. C'est malheureux. Je vais ouvrir la porte. Je vais ouvrir la porte bleue. Parce que suivant le sens, ça je pense que ça ouvre un côté ou pas des portes. Là, je vais à droite. Gauche. À droite. Et la porte là, elle s'est ouverte. Donc je passais. Ok. Je monte l'escalier. Et là, je suis dans une salle. Avec. Ce jeu est terrible. Avec plein de statues, forcément. Une statue. On va avoir un bouquin maintenant. Non, pas de bouquin, des interrupteurs. Ton prochain interrupteur à trouver est le rouge. J'ai une porte verte qui est ouverte. Va dedans. T'as un interrupteur rouge dedans. Ouais, je le vois. Alors actionne-le. Ouais. Tu te souviens où était l'interrupteur vert? C'est à l'autre bout. Retourne-y. L'autre bout. Mais faut que j'inverse le bleu du coup. Mmh. Là, je suis au bleu, je vais activer le bouton du bleu. C'est bien. Mais retourne à l'interrupteur vert. Si tu vas au-delà de l'interrupteur vert, faut plus y toucher. Encore que... Ah, peut-être que si. Tout proche, tu vas pouvoir te déverrouiller la sortie, en fait, qui correspond à la porte gris rouge. C'était à gauche ou à droite, je sais plus. Ah oui, mais je sais plus où t'es. Je présume que c'était à gauche. J'étais à droite en haut. Ah, maintenant, ma porte verte, elle est fermée, moi, ma porte verte. Alors, si tu joues avec l'interrupteur vert, tu peux pas la rouvrir? Ah, attends, elle est là. Vas-y. Ouais, c'est bon, elle est ouverte. Donc maintenant, essaye d'aller à fond sur ta l'escalier sur ta gauche. Ouais, c'est bon, j'ai pu passer. Génial, t'es un chef. Alors, est-ce que dans ta nouvelle pièce, t'as un interrupteur que tu me déverrouilles la porte, s'il te plaît? Alors, j'ai rien du tout. J'ai une grande salle dehors où il y a plein de neige. Ben, je demande à sortir du château, moi, et oh! Pourquoi t'as le droit d'accès aux terrasses ou aux balcons? C'est honteux. Au secours. Avec un grand échiquier, oui. Avec un grand échiquier au milieu. Oui, bah, et Matt. Rien à faire avec, heureusement. Oui, tu et une machine.
machine. Mais qu'on peut faire. Je sais pas. Si t'as trouvé la clim, je veux bien. Ah, ce jeu va me rendre fou. Attends, je crois que j'ai trouvé pour la mettre en route. Oh. Sérieux? Ouais. Ouais, j'ai réussi à la mettre en route, la machine. Ça fait quoi? Parce que ça fait un son lumière. Oh non, et je joue, et je peux jouer aux échecs. Sérieux? Parce que je sais pas ce qu'il faut faire. Oui, bah le problème c'est que c'est moi qui me fais damer le pion, parce que moi je suis fait prisonnier. J'avais espoir que tu m'ouvres ma troisième porte. Oh non! Ne me dis pas que je suis condamné à errer ici jusqu'à la nuit des temps. Je veux pas mourir ici, sniff. Il n'y a même pas de nourriture. Ouais. Je retourne dans les sous-sols et j'ai peut-être quelque chose a peut-être échappé à ma vigilance. Non. C'est... Mes espoirs sont noyés dans la cave, Berg. Monsieur, t'as pas un truc en rapport aux échecs ou pas? Jouer aux échecs? Je vais regarder à deux fois, mais je n'y crois pas. Ma situation est un échec, oui. Mais un jeu de la sorte, non. Un jeu d'échecs. Quelle idée d'aller chercher un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs. Le sol de la grande salle est-il un jeu d'échecs? Non. Il y a une jolie décoration, mais ça ne ressemble en rien à un jeu d'échecs. De toute façon, j'aurais dû y observer un damier, et ce n'est point le cas. Ouh! Ah! Non, même le plafond n'est pas un jeu d'échecs. Oh, bien qu'il y ait un quadrillage, ça ne correspond pas à un jeu d'échecs. C'est bizarre. Non, il y a une information, un document que j'ai pas géré. Alors, c'est le portrait du châtelier, là. Mais, du châtelier, qu'est-ce que je dis? Bref. Je peux m'en chier, moi, dans mon truc, hein. Ça me fait peur. Ce document de code, là, ça me rend fou. Oui. Oh, ce châtelier. Mais il n'y a rien qui ressemble à une partie d'échecs, moi, de mon côté. J'ai aucun symbole qui correspond, même pas les jetons de jeu, tu sais, la tour, le roi, le fou. Encore que les vitraux. Ah, les vitraux, peut-être. Attends, j'ai un vitrail, c'est un roi, le deuxième vitrail, c'est un roi. Bon, bah, c'est pas ça. J'ai les rois jumeaux. Tellement étrange. Ah! Entre les yeux. Entre les yeux, c'est ça. C'est les symboles qu'il y a entre les yeux, mais bien sûr. À quoi correspondent les symboles? Le bleu. Oh. Attends, je suis en train de cogiter quelque chose de mon côté. Entre les yeux. Pourquoi les iris? Là, je commence à piper bien trop voir, là. Hein. Je sais pas. J'ai une lanelle sur mon écran. Oh. On dirait. Bah, c'est un peu poétique. Faut mettre de la poésie dans sa vie, c'est beau. Bah, même si t'es escalier, il y a un ensemble de tapis rouge. Non, il faut que je... De toute façon, la porte s'ouvrira d'elle-même. Non, il faut que je sois plus malin que ça. Entre les yeux, les symboles, les bouquins. Est-ce qu'il faudrait composer? Est-ce que je peux composer des symboles et des bouquins à partir de ce que je vois? Peut-être. Pardon, je fais des bêtises. Attends que je mémorise un peu les symboles. Non, ça ne correspond pas. Non, ça peut pas être ça. Quelque chose m'échappe.
Je me demande si je serais pas autorisé à... D'ivoire, dans ton secteur, tu une scène, t'aurais pas des symboles étranges? Ah non, j'ai rien du tout. T'as rien du tout? À une statue d'une bonne femme là qui tient rien dans ses mains, comme une offrande, on va dire. Des loupiottes, une machine que j'ai activée, et de la neige qui est en train de me recouvrir la tête. Donc je vais pas t'aider à crever. Bonjour Claire Shinobi. Oui, merci, je vais boire un coup, tu as raison. Moi j'ai crevé. Un symbole qui tient rien du tout. Eh ben nous voilà bien avancé. Enfin symbole. Une femme qui tient rien du tout en symbole. J'ai réfléchi. Les bouquins, il y a forcément un sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort de froid. Ah merde. Ah ouais, gelé à mort. Coucou, petit lurk, je vais manger puis geek. Nuit, tu fais bien, merci Claire d'être là. Merci Claire Shinobi. Bon appétit à toi. C'est très gentil à toi d'être là, merci tout plein. Retry from checkpoint. Bah oui. Vas-y, clique dessus. Ah merde, j'ai fait kick. Oh merde, attends. Ah, oh, j'ai fait une bêtise, excuse-moi, j'ai cassé la partie. Il faut que je revienne sur ton invite. Qui doit être par là. On va y arriver. Oui, pardon, oui, si tu pouvais me réinviter. Parce que du coup, oui, l'invitation ne fonctionne qu'une seule fois. Eh oui, te plaît. Bah oui, avec ma bêtise. Merci. Merci. Voilà, ready. Je pense qu'on va partir à zéro là. Ouais. Bah, c'est pas trop difficile. Là. On connaît ce qu'il faut faire. Bon, après le tirage au hasard, faut redécrire l'animal dans le. Dans la salle de prout-prout, mais pardon, oui, c'est ma faute. Oui, effectivement, on a la scénette, mais on l'a déjà vue. Là, j'ai fait skip. Comme la lessive en poudre. Oui, effectivement. Je suis désolé. Ah, sinon, on aurait peut-être pu inverser, sinon. Je sais pas. Je t'avoue que je ne sais plus par quoi on avait démarré. Parce que là, mes trois portes sont fermées. Là, tu sens un peu ton hasard, quoi. Ouais, vas-y. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Tellement étrange. Ah oui, la bobine du film, c'est vrai. Il faut d'abord que je gère la bobine de film. Voilà, c'est ça. La bobine de film. Non, comment t'avais fait pour m'ouvrir la porte? Je sais déjà plus. Ah bah bravo, c'est du propre. Your partner left returning to menu. D'accord. C'est un peu violent, mais pourquoi pas. Alors attends, tu veux gérer comment du coup? Ah, on t'a perdu, tu une scène, on ne t'entend plus. Il y a eu un bug de connexion. Ah merde! Ah, pauvre Tunsen, il a une coupure de... Oh mon dieu! Souci d'internet, ah mon pauvre Tunsen. Oui, j'attends ton feu vert. Oh, quelle tristesse.
Bah, tu sais quoi, quand tu seras à nouveau sorti du souci d'internet, n'hésite pas à me réinviter. J'aurai le signal et puis là je vais pouvoir. Ah, comme je le dis, c'est terrible quand la technique s'en mêle. Aïe, 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 aïe. Ah, ah, ah. Ouais. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Je crois que c'est revenu. Oui, je t'entends. Ouais, on t'entend en direct. Elle va manquer comme ça. Bah ouais, mais c'est terrible. Ah, c'est lié à l'orage, ta perturbation d'internet? Non, mais pas, je suis tout en intérêt chez moi, donc c'est pas... Oui, c'est pas ça, ouais. Non, mais t'as dû avoir une resynchronisation de la part de ton prestataire de service, ça arrive, ça. J'ai ramené ma box, elle a remonté, donc... Ouais. Tu veux qu'on change de rôle, alors? Ouais, pour ouais, voilà. Attends, comment je fais pour changer de rôle? Apparemment, c'est toi. Parce que là, je suis déclaré comme étant l'explorateur. Moi, je suis prêt à faire prêt, si t'es d'accord. Je suis prêt, moi. D'accord. Donc, du coup, t'as inversé les rôles, c'est ça? Ouais, ouais. On va voir. C'est intéressant. Ça se fait, effectivement, c'est intéressant. Oula, alors moi, je vais m'approprier des nouveaux lieux. Gare. Oula, oui alors, ressauter l'intro. C'est pas comme si on l'avait dit trois fois. Ah ouais, ça doit te changer aussi de ton côté. Ah, c'est le tonneau avec les bougies qui est considéré comme un contenant. Oh mazette. Il y a le Tokiwoki, d'accord. Que t'as raté tout à l'heure, parce qu'en fait, t'as un message à l'entrée normalement, qui, sur le mur. Mur. Il y a quelque chose au mur. Oh la vache. La réponse est quoi? La réponse non, ça veut rien dire. La réponse non. Je dois avoir. Ah, c'est toi qui avais les symboles des yeux. J'ai un œil rouge et un œil bleu, d'accord. Le coup de l'affiche au mur. Et comment t'avais fait pour avoir l'animal? J'avais au pif. Non, t'es sérieux? Ouais, et ça t'ouvre la porte. Au pif et ça t'ouvre la porte? Alors déjà, faut prendre le Tokiwoki là. C'est fait. Tu veux dire que les dalles, enfin les briques au mur avec les symboles, tu l'as fait au pif? Ouais. Mais il est fou ce garçon. Non, mais tu peux me faire la description. Normalement, t'as un mur avec une fiche avec des iris colorés de trois couleurs possibles au niveau des yeux. Et t'as des symboles au milieu. Lis-moi la ligne, s'il te plaît. Mets-toi dans l'ordre. Œil rouge, œil bleu. Œil rouge et bleu. Hein. Rouge, bleu. Alors, une sorte de... Comment on dit ça? Une sorte de... Ouais. Merci. Une sorte de S très fin. Ah, d'un seul trait? Ouais, d'un seul trait qui va en diagonale, avec un petit en bas et un petit en haut. D'accord. Ensuite, deuxième symbole. Un ovale, barré avec une croix. Un ovale barré avec une croix. D'accord, merci. Et normalement, si c'est bon, ça t'ouvre la porte. Sauf que je vois encore une grille. Alors attends, est-ce que j'ai confondu ça et ça? Ah, ça ressemble à un Z, hein, presque, hein, on va dire, le truc. Hein. Ouais, je conçois. Bah oui, c'est ça. Alors, j'ai pas fait dans le bon ordre.
Bah, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ah, si, j'ai compris ma confusion, pardon. Effectivement, j'avais pas vu qu'il y avait deux symboles qui se ressemblaient. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je suis dans la salle aux bougies. On dirait une cérémonie occulte. Normalement, t'as une porte qui s'est ouverte avec un magnifique, une magnifique coupole. Et en fait, t'as une galerie des horreurs. Tu dois avoir 8 portraits ou 10 d'animaux Pokémon. Et c'est lequel, le tien? Alors, moi, c'est le pan. C'est-à-dire qu'il est à l'horizontale. C'est l'espèce de pan avec les pattes arrière de taureau, les pattes avant d'une cigogne. Il a une coquille d'escargot sur le dos, alors qu'il a vraiment un cul de pan. Et il a une tête de chèvre, on dirait. Ouais, j'ai ça. Alors, peux-tu me décliner les 3 symboles, s'il te plaît? Alors, une sorte de M avec la patte du milieu qui fait une boucle en dessous et juste au-dessus une sorte de planète. Alors ne bouge pas. Hein, patte du M qui fait une sorte de planète. Ce serait ça. Ouais, c'est un doute, on fait les autres. Puis non, je crois savoir. Elle est bien ta description. Deuxième symbole, s'il te plaît. Alors le deuxième, c'est une sorte de d'épi de blé avec le haut qui est recourbé sur la droite. D'accord, ce fameux épi de blé fané. D'accord, je l'ai. Et le troisième? Une sorte de maison avec des sortes d'oreilles bizarres. Une maison avec des oreilles bizarres. Ah oui, je vois. Oui, la maison touffue sur les côtés. Ouais, 2 fenêtres et une porte. Ah. Merde, j'ai fait tomber le symbole. Ah bah non! Faut que j'aille le rechercher. Erreur de manipulation. Mais non, mais... Ah! On va s'appuyer. Oui, non, mais je fais des bêtises. J'ai honte. Imagine que t'as une main. Ah oui, alors. Alors, c'est ceci. Alors, grâce à toi, je progresse. Oh, il y a de la tuyauterie par ici. Oh mon dieu, mais il y a de la tuyauterie. C'est un escalier. Il faut faire quoi, du coup, là? Alors, moi, c'est purple. Il faut que t'ailles à la cave. T'as une deuxième porte qui est ouverte. Descends tout en bas des escaliers. Tu verras des armures dans les angles. Il faut que tu descends tout en bas de l'escalier. Il y a de la flotte. Et effectivement, j'ai une noyée. Il faut faire la couleur violet. La même combinaison que moi tout à l'heure. Fais du violet avec les couleurs primaires, s'il te plaît. Violet, azo. Alors, violet. T'es un chef. Bon, ouais, c'est bon. Merci. T'es un chef. Oh, ce corridor. Attends, il faut que j'ouvre la grille. Là, je remonte pour avoir le plan, là. Je comprends que c'est ça. Oui, d'accord. Je me suis fait prisonnier, et ensuite... Oh mon dieu, c'est le fameux truc où je t'avais dit. Oui, oui. Oh, mais c'est grand, je le voyais pas aussi grand le truc. Oh mon dieu. J'ai une porte bleue qui est ouverte. Ah, j'ai une porte verte qui est éteinte. Alors tu sauras que tu as une carte sur une table. Tu la vois probablement vierge, c'est-à-dire juste en monochrome. Et oh mon dieu, je vois des choses. Je vois un... Oui, j'ai une carte, il n'y a rien dessus. Je vois un Yuski avec des ailes de chauve-souris. C'est... Wouh! Non, en fait, si tu veux des annotations sur la carte, il faut que tu manipules le bouton du vidéoprojecteur diapo qui est en haut à l'étage. Non, je dis des bêtises. Il faut que tu bouges le levier au mur juste à côté. En haut de l'escalier, t'as un levier au mur. Tu l'actionnes et tu vas voir la carte qui va t'éclairer. Tu vas avoir des indices de couleur.
Alors attends, moi je suis encore en exploration, je suis bluffé par ce que je vois. Je suis happé par le paysage d'une certaine manière. Il n'y a pas grand chose avec des caisses. J'ai ma grille d'accès verte qui est fermée. Par contre, je n'ai vu aucun interrupteur. Normalement, quand tu es sorti au blanc, oui. Tu peux aller à droite au bleu, dans la salle bleue. Ah, alors attends, bleu. Je vais revenir à mon point de départ parce que je n'ai pas pu résister à l'idée de déambuler à droite et à gauche. Ah. Attends, je vais d'abord revenir à mon point de départ. Waouh! Eh ben dis donc, ça fait une petite trotte. Oh, quelle horreur! Je vois les portraits que tu m'avais décrits tout à l'heure. C'est un chien, ça s'appelle un chien. Oui, c'est ça, c'est troublant, oui, comme dirait Christella. Bon, je suis, je crois savoir, à mon point de départ, je t'écoute. T'es au bleu, là? Non? Bah, j'ai vu effectivement une grille bleue d'accès, mais pas le levier. Ah, là, je suis à une grille blanche qui est fermée. Là, c'est ton point de départ, ça. Et normalement, juste devant toi, t'as une boussole par terre. Alors, le point de départ d'après toi serait ma grille blanche. Et j'aurai au sol une boussole. Oui, c'est exact. Une rose des vents. Boussole par terre. Donc là, tu vas aller à droite et tu vas descendre les marches qui sont tout de suite à droite. Je vais à droite et je dois descendre dans un escalier le plus proche. D'accord. Et dedans, tu dois avoir un bouton bleu, normalement. C'est exact. Je le manipule. Vers le bas, il est activé. Je reviens sur mes pas. Essaye de trouver quelle porte bleue ça s'est ouverte. Est-ce qu'une porte bleue s'est ouverte? Alors là, tu me poses une colle. Alors j'ai une porte bleue qui est fermée. J'ai une grille, hein. Une grille exactement. Une grille bleue qui est fermée. Fermer une grille bleue. Oh, il y a un message en lettres de sang sur le mur. Break down the gilding light. Ah, mon niveau d'anglais est pas bon. Down, c'est bas. Suis, être guidé par la lumière. T'as passé la porte bleue qui est ouverte? Non, puisqu'elle est vieille, elle est fermée. T'as deux côtés de gris bleu. Attends, il y a quelque chose. Oui, je sais, j'ai vu une sorte de cape avancer tout seul. Je crois qu'elle est allée dans la bouche d'égout au sol. Elle est partie. Ah oui, il y a une gris bleu qui était levée. J'y suis allé, je suis au-delà de la gris bleu. Levée. Voilà, vas-y, avance. Oh, cette salle est grande. Je vois un levier vert. Je dois le manipuler, ouais. Le levier vert. Attends, essaye de monter les escaliers qui est juste à gauche. Vas-y, pas tout droit. Gauche, oui, d'accord. Alors j'ai passé une grille verte, mais j'ai fait face sur ma gauche à une grille rouge qui est fermée. Ouais, donc ça faut l'ouvrir. Donc là, tu suis le chemin là. D'accord. Alors j'ai le choix, j'ai deux escaliers. Soit je vais à gauche, soit je vais tout droit. Je fais quoi? C'est où par rapport à la grille rouge fermée? En face d'elle, si je fais une rotation à 90 degrés dans le sens horaire, c'est-à-dire vers ma droite, j'ai le choix pour aller tout droit ou à gauche. Ben tous voilà, les deux sont des escaliers qui montent, tout droit. D'accord. Je progresse. J'ai le choix entre la droite et la gauche. Attends, moi j'ai les ponts qui sont éteints là. Oui, rallume. Vas-y. En haut des escaliers, j'ai le choix entre la gauche et la droite. Là, donc tu vas à droite. Je vais à droite. Trop bien. J'adore l'ambiance. Trop bien ce jeu. Ah oui, mais attends. Oula, j'ai perdu. T'as eu le bouton vert, pardon. Alors, non, c'est pas un bouton. En fait, je fais face à une grille verte qui est verrouillée. Donc t'as eu le bouton vert. Reviens sur tes pas et retourne au bouton vert. Mais il n'y a pas de bouton vert. J'ai une grille verte qui est fermée, mais j'ai pas de bouton. Oui, c'est normal, je sais où t'es là. Mais il faut que tu retournes sur tes pas. Ah bon. Je m'exécute.
marche arrière. Retourne à la porte rouge fermée. À la porte rouge fermée? Oui, c'est là où il a sorti en fait. Ah. Je fais face à la porte rouge fermée. Donc tu redescends sur ta gauche. Je redescends sur ma gauche, oui. Voilà, et là, normalement, dans la salle, tu vas voir un levier vert. C'est exact. Je le passe de la position haute à la position basse. Oui, il n'y a que deux positions. Tu me rassures. Donc là, la porte verte, tu pouvais passer maintenant, elle est fermée. C'est exact. Mais l'autre porte verte de tout à l'heure, où tu es passé par le rouge, bah, elle est ouverte. Donc là, tu reviens en arrière, enfin, tu continues le chemin. Mais tu d'accord. Ça, effectivement, donc, je n'ai plus qu'une seule issue. Du chemin, là, de toute façon, tu peux pas te tromper. Tu vas repasser devant la zone blanche du début, normalement. Je suis en train de me fourvoyer. Ah, c'est ça? Oui, la donc, zone là, blanche du début, et ensuite? Tu vas à droite, pour dans le trou, là. Je descends. Ah, ouais. Descends pour appuyer sur le bouton bleu. D'accord. Je repasse le levier bleu en position haute. Je rallume de mon côté. Tu peux. Voilà, donc tu ressors et tu vas sur la droite. Oui. Attends d'avoir une grille bleue ouverte normalement. Une grille bleue ouverte. Alors je progresse. C'est exact, je la franchis. Voilà. Tu continues et tu longes le mur sur la droite et tu verras la grille verte qui sera ouverte avec un bouton rouge derrière. Une grille. Ah, c'est vrai. J'ai repéré la grille verte qui était ouverte. Par contre, je suis en quête du manche rouge. Je cherche. Ah, il est là. Le manche rouge était en position haute. Je viens de le basculer en position basse. Donc là, la porte de sortie est ouverte, pour faire simple. Donc tu ressors par la grille verte, tu vas à gauche. À gauche, d'accord. Tu continues, tu retournes dans la salle où il y avait le levier bleu. La salle où il y avait le levier bleu. Alors je continue de déambuler dans les corridors et les escaliers. La salle où il y avait le... Oui, je suis dans la salle où il y avait le manche bleu vers le haut. Donc tu le ratis à l'inverse. Vers le bas, d'accord, c'est chose faite. Tu ressors et tu vas à gauche. D'accord. Eh, hey, tu es bon guide, tu saignes. Bravo. Je suis revenu à la Rose des Vents. Tu continues, c'est par là, vas-y. D'accord. La Rose des Vents qui était notre point de départ. Là, non, la grille bleue sera ouverte. Alors, attends, faut que j'essaye de voir là où il y a une grille bleue. Ah oui, tu as raison. Donc là, elle est ouverte. Et normalement, vérifie que la grille verte est ouverte. Une grille si verte besoin, si besoin, t'as un levier juste à droite. C'est exact. Une grille verte ouverte. Ah non, elle est fermée. T'as le levier juste à ta droite. Alors, pour ton information, je vais passer de la position basse vers la position... Oui, c'est pas grave, faut juste activer pour l'inversion. Nous sommes d'accord. Visiblement, la posture du levier correspond... Et là, hop, hop, gauche. Oh... Oh oui, je vois la neige, tu as raison, je suis dans une cour antérieure. Et là, bon courage. Ah oui, ton échec est mat. Oh mon dieu. Je suis nul en échec, hein, je peux pas t'aider. Et moi alors? Visiblement, je ne peux pas interagir avec les pièces d'échec. Non, faut que t'actives la machine avant. La machine? Quelle machine? Une machine dans le fond. J'essaie d'observer. Je vois un tonneau, des tonneaux. Dans un coin, tu verras, t'as une machine dans un coin. J'ausculte le mieux. Une machine, quoi, une machine? Tout n'est fait que de pierres et de bois. Je vois une sculpture, effectivement, d'une dame capuchonnée qui semble faire l'aumône. Où est-ce que tu as vu une machine? Ah! Je la vois! Oh! Pardon? Là. Oui. Et une fois que t'as réactivé la machine, en fait, il faut appuyer au bon moment quand c'est devant vert. D'accord. Plusieurs fois. Ah oui.
J'ai tout au vert, mais je suis en train de me les geler. Oui, un boudin, si t'arrêtes pas. Ah, il y a une turbine qui s'active. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Mais pourquoi je me réchauffe pas? J'ai peur qu'il y ait un froid entre nous, tu une scène. Mais celui-ci va m'être mortel. Ça va faire comme moi, tu vas pas y arriver. Oh non, au secours! Je veux du chauffage! Je vais devenir de marbre, mais pourquoi? Ce jeu est cruel. Au niveau des trucs dans ta tête, j'ai rien du tout. Hein. Oui, par contre, j'ai un trou, j'ai pas une porte qui est fermée. Non, moi j'ai une porte verrouillée en mauve. Le cadenas est mauve. Ah ouais, non, mais ça va s'ouvrir quand tu auras fait les bons trucs. Oh, je peux interagir avec l'échiquier. Oui, je sais. Mais comment est-ce possible? Ah bah, c'est la question. Waouh. Je suis en train de manipuler les touches. Alors, de l'échiquier. Non, dès que l'explorateur rentrera dans la nouvelle pièce, il devra lancer le générateur que tu as fait pour permettre de libérer, d'actionner la caméra. De son côté, le libraire devra fixer la bobine sur la table. La caméra, le but est de jouer une partie d'échecs pour passer à la suite. Moi, ça me laisse de marbre. Attends, c'est tout blanc de jouer chez moi. Ah, au secours! Il fait si froid! Ah! Aglagla! Aglagla, glougou, aglougou! Mais c'est du délire! Est-ce que je peux mettre en dualité des pions? Non, j'ai pas le droit. Ouais. Elle est où la tour? Je n'extingue plus la tour. Je vois le fou, le roi et la reine. Ah! Ah! Au secours! Je vais être intégralement cryogénisé sous peu. Je ne vois quasiment plus rien. Au secours d'une scène. Il faut que tu me guides. Ah! La torche, je peux pas me la chauffer. Qu'est-ce qu'il y a, tu une scène? Et la partie d'échecs qui se passe devant moi, là. Ah bah, guide-moi, s'il te plaît. Ah bah, ça, c'est fini, déjà. Comment ça, t'as fini ta partie d'échecs? Non, mais j'ai vu la solution sur le vide du projecteur. Eh ben, dis-moi. Mais ça va trop vite. Comment ça va trop vite? Oui, j'ai... Au secours, je vais mourir cryogénisé. Oh. J'ai le droit de jouer ça, moi. Waouh. Ah, puis comment je vais t'aider, moi, à faire ça, moi? Ben, je sais pas, mais j'ai peur de finir en deux mots congelé. C'est horrible. Quelle destinée atroce. Il est terrible, ce jeu. Moi, ça me terrifie, d'une certaine manière. Voilà. Oui. Il y aura deux jeux qui m'ont marqué aujourd'hui. Le Saints Row avec les sœurs jumelles, l'une d'entre elles qui se fait briser la nuque par un catcheur. C'était très très violent psychologiquement. Et là, ce jeu qui laisse de marbre des échecs dans la glace, c'est horrible. C'est d'un sadisme extrême. Non, mais je vais mourir. Au secours. Non, j'ai fait une capture de la solution. Ah bah, c'est du propre. Peut-être m'envoyer. Je vois plus grand chose à ce stade. Que c'est à toi de jouer les blancs et les noirs, en fait, chacun son tour. Je sais, je ne fais que ça depuis tout à l'heure, mais avec un désespoir immense. Je n'ai pas trouvé la combinaison gagnante. Ouch.
Ah, je me suis encastré dans le l'échiquier. Je suis frigorifié, au secours. Je suis en train de me pétrifier de froid. Que va-t-il devenir de moi? Ça fait peur. Ah! Et c'est la mort qui m'emporte. Vas-y, dis ritraille. Ritraillon. En bon franglais, ritraillon. C'est le facteur faire. Êtes-vous là? Si je te réponds dans un château, tu me dis quoi? Dehors. Non, je fais face à une grille rouge, l'épreuve précédente. Ah, pour faire ça? Non, je reviens à l'échiquier. Ah, j'ai peur. Oh, les salopards, la porte se referme, t'as pas le droit au chauffage. Alors, attends, j'ai toute la solution en vocal, attends. Quand tu seras prêt, je vais le dire. Oui, bah moi, je suis muse avec la chaudière. Hein. Donc, réactive-la déjà. C'est ça. Allez, j'ai gagné. Allez, zou. Alors, l'échiquier, je t'écoute. Alors, avancez le pion devant le roi blanc de 2. De 2, d'accord. Ok, c'est fait. Avancez le pion devant le roi noir de 2. Ah, c'est un face-à-face. C'est fait. Déplacez le fou à droite du roi blanc vers 3 en diagonale gauche. Attends, le fou à la droite du roi blanc. Le fou à la droite du roi blanc en diagonale de combien? De 3. Vers la gauche. Vers la gauche. Ah, je peux pas. Ah, mais non, mais non, mais attends, le jeu est débile. Oh, mais non, mais c'est une interface de CON. Oh, mais non! Reprends, avancez le pion devant le roi blanc de 2. Ouais, mais je peux plus. Le jeu me le fait à l'envers. Oh, mais c'est nul! Non, mais là, il y a un problème d'interface. Attends, je provoque l'échiquier pour revenir à la position initiale, là, parce que. Merci. Alors attends, on commence par le blanc, le roi blanc, c'est ça? Donc là, t'as fait quoi, les deux pions là? J'ai réinitialisé le bordel. Premier mouvement. Donc avancez le pion devant le roi blanc de 2. D'accord, merci. Donc il y a un face à face, ok. Pareil pour le pion devant le roi noir, 2. Ensuite, tu m'as dit le fou à droite du roi blanc? Donc déplacez le fou à droite du roi blanc de 3 vers la diagonale gauche. Le fou, alors j'ai mal identifié le fou. Ah, c'est peut-être. Non, c'est la reine ça. Ah, la reine est là. Ah, d'accord, c'est ça. Attends, sauf que je peux pas le. Tu m'as dit de 3? Oui, de 3. D'accord. Alors, ça craint parce que dans le mouvement des pièces. Je me suis mis à un endroit où la pièce s'est décalée et elle m'a emprisonné la pièce. Merde. Je te le fais pas dire. Avancez le pion devant le cheval noir de 1. Attends. Ah, mais c'est nul. Cheval noir à côté de la reine. Non, mais honnêtement, l'idée elle est bonne dans le jeu, mais l'interface elle est nulle. Ah bah fallait vite hein, parce que du coup ça se remplit la neige. Oui non mais c'est pas ça, c'est à dire qu'en fonction de là où je me mets, il y a les pièces qui bougent et je me fais guaquer. Ah. Alors je recommence ce truc de départ. Attends, le roi. Attends, qui est le roi, qui est la reine? Le roi c'est lui. Deux. Donc je suis au troisième mouvement, tu m'as dit le fou à côté du roi blanc. Donc le fou à droite du roi blanc de 3 vers la diagonale gauche. Ah c'est chiant, il faut se mettre du bon côté. Ensuite, tu m'as dit un cheval noir, quoi? Alors, avancez le pion devant le cheval noir de 1. Ah putain, je vois plus rien. Ah bah oui, piqué. Et merde.
Ah, je vois plus rien, je suis mort. Il y a pas de six places, hein. Le cheval, il est où? Il est à l'extrême de l'échiquier? Il est où par rapport à l'extrême? Côté de la reine. Je vais essayer d'identifier la reine dans ce bazar. C'est plus qui vont bouger, c'est pas le cheval, hein, pour l'instant. Oui, je sais, mais je vois plus rien. Là, j'ai trop de neige dans la tronche, je vois plus rien de ce que je fais. Ah. Au pire, si je recommence, j'ai mémorisé les trois premiers mouvements. Mais merde, non, mais je pense que je vais crever là. Honnêtement, je vois plus rien. Je vais attendre de crever. On va recommencer. J'ai mémorisé les trois premiers mouvements. C'est chiant, je suis désolé, mais là, je vois rien. Franchement, je peux rien faire. J'ai trop de neige dans la tronche. C'est une horreur. Ce jeu est d'une cruauté, c'est inouï. Ah ouais, mais waouh! Il n'y aura pas eu la neige, ça aurait fait plus simple. Bah oui, mais en même temps, c'est. Voilà, il y a l'effet oppressant du chrono avec le fait de finir cryogénisé. Ah, alors que Torota se lance dans une partie de 7 jours pour crever. Il a fond dedans. Il a raison. Non, mais c'est un jeu captivant. Moi, je vous ai dit que j'étais devenu cyberdépendant au Seven to Die, là. Et comme tu l'as très bien répondu, je suis entre-temps redevenu dépendant à Minecraft. C'est ça. Non, franchement, quand tu t'intéresses à 7 jours pour crever, ce jeu, il est énorme. Je pense que ça va le tenir en haleine. Torota, ça va le tenir en haleine tout l'été, sans déconner. Le jeu, il est extra. La 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 la. Non mais là sérieux, je vois rien quoi. Comment veux-tu distinguer un cheval avec cette vue? C'est impossible. Le cavalier, tu m'étonnes. Un pion à tête de cheval. Non mais je vois rien là. Bon bah je vais mourir congelé. Non, ça c'est la statue de la femme. Voilà, je suis mort. T'inquiète pas, là, pour les trois premiers mouvements et la chaudière, je vais être rapide. Ouais. Allez, Zou, la chaudière, les trois premiers mouvements, ça va pas traîner, je te le dis. J'ai envoyé un lien dans Steam, là, de la capture. Oui, bah je verrai après. Attends, on va déjà à la loyale essayer de la faire. Il y a 7 mouvements en fait. 5 hein. Mouvements. Bon, on y croit. 7. Ah merde. C'est moins... En quoi alors? Alors, donc, il y avait le coup du blanc d'abord. En face à face les deux pions. Ensuite lui il avait son fou qui partait de 3. 3 sur. Non c'est le roi, merde. Attends. Mais non. Attends, c'est quoi? Ah non c'est le roi et ça c'est la reine. C'est passé le fou à droite du roi. Non merde, non mais attends, j'ai fait une bêtise là. Comment j'annule le mouvement? Ah comme ça. Non c'est le roi. Ah, je me suis planté, mais quel con. Génial. Je démarre le truc, je me plante. Attends, je réinitialise. Non, le roi, il est là. Le roi, il est là. Voilà, face à face. Donc, lui, tu m'as dit, il bouge de 3. Youhou, le mariole de mes deux, là. Voilà, lui. C'est... Attends. Le coup du... Et merde. On commence par le blanc. D'abord le blanc, le pion blanc, le pion noir. Alors le cavalier, le cavalier, le cavalier, le cavalier, le cavalier, il est où le cavalier? J'arrive pas à distinguer les formes. Alors, du côté des noirs, le quatrième mouvement. Côté des noirs, le cavalier, il est à gauche ou à droite du roi? Bonne question.
En fait, t'as deux cavaliers, ils sont tout en haut, enfin tout en haut. Ils sont de chaque côté en deuxième case. Oui. Que ce soit à gauche ou à droite. Oui, mais c'est lequel que je manipule, celui à gauche ou à la droite du roi? J'ai à droite. D'accord, t'es vachement rassurant. De combien? Une case. Alors, une case à gauche ou à droite? Ouais, je crois qu'on a raté le coup là. Ensuite, côté. Et merde, ça s'est réinitialisé, j'ai fait de la merde. Je recommence ces trois points de mouvement, je les connais par cœur. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Putain, mais c'est pas vrai. Ah! Mais c'est un enfer ce jeu, c'est pas possible. Mais non, mais c'est... Oh là là, mais c'est une muise. Mais c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Lui, il fait un mouvement de 3. Donc ensuite j'ai le cavalier. Le cavalier, tu m'as dit qu'il est sur sa droite. Non, c'est le pion. Avance le pion devant le cheval noir de 1. Ah, c'est pas pareil. D'accord. Ensuite. Ensuite, c'est avance la reine blanche de 2 vers la diagonale droite. La reine blanche de 2, la diagonale à sa droite. D'accord, ensuite c'est quoi? Dépasser le cheval en L à droite du pion noir. Même colonne que le fou. Ah oui, ça veut rien dire pour moi. Donc le chevalier noir, le cavalier qui est à la gauche du roi noir, je le déplace, c'est ça? C'est dépasser le cheval en L à droite du pion noir. Ça ne dit pas lequel. Oui, c'est pas clair. Ah si, c'est le tu vois le pion que t'as déplacé de 1 là juste avant qui était en oui, face du cheval. Oui. Bah, le cheval qui est juste derrière, tu le prends et tu le déplaces à la droite du pion noir. D'accord. Vers le centre. Il s'est passé quelque chose, j'ai l'impression. Je t'écoute. Et après t'as pour finir avancer la reine au maximum et manger le pion noir ou lui faire en face. La reine blanche. La reine, elle est là. Et je peux plus rien faire. Ok, donc j'ai dû merder. Bon, je vais recrever et je vais réexécuter les mouvements que j'ai mémorisés que tu m'as dit. Oh la vache, c'est dur. Attends, c'est ça. Oui, je fais un mouvement de 3. Non, merde, j'ai cliqué sur le roi, c'est ça, ouais. Non, c'est lui qu'il me faut. Ouais, mais là, si on relance et qu'on commence, on inverse, on va partir de 0. Non, mais attends. Attends, qu'est-ce que j'ai libéré? C'est la reine? Ah, j'ai libéré la reine. C'est pour ça que j'y arrive pas. Mais j'y vois rien, j'ai trop de glace, là, je suis mort. Ah bah oui, c'est... J'ai trop de glace, donc c'est illisible. Faut dire que le dernier moment, tu le fais à l'aveugle, c'est n'importe quoi. Le roi est là. Pourquoi il m'interdit le mouvement avec le noir? J'ai joué le blanc. Oh. Mais non, mais ça n'a pas de sens, votre truc. On recommence. Ah, faut s'accrocher. Attends. On peut le dire, la chaudière est un échauffement. J'ai rien à faire, la chaudière. La bonne blague. Allez, c'est parti. Oui,
c'est la vie. La 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 la. Ensuite, j'ai un troisième mouvement, le quatrième, tu m'avais dit que c'était une histoire de cavalier. Et le fou blanc est passé en diagonale. De 1, le diagonal du fou. Alors le pion blanc après, c'est quoi, je sais plus. Il a fait le fou là. Oui, après. Avancer le pion devant le cheval noir de 1. C'est fait. Suivant. Avancer la reine blanche de 2 vers la diagonale droite. Alors la reine blanche en diagonale de à droite de 2. Oui. D'accord. Noir. Mouvement du noir après la reine blanche, c'est quoi? C'est passer le cheval en L à droite du pion noir. À droite du pion noir. Le pion que tu as dépassé de 1, faut mettre le cheval à côté. À droite? Ah non, tu m'as dit des conneries. Ça, c'était à gauche. On recommence. Alors, roi, face à face des pions. Tac. Ensuite, j'ai le fou au diagonale, 3 cases pour le fou blanc. Ensuite, j'ai le pion noir qui est face au cavalier que j'avance. Ensuite, la reine blanche que je dois décaler. Non, pas le roi, la reine blanche. De 2 vers l'avant, donc voilà. Ensuite, j'ai le fou qui doit être finalement à gauche. La suite, après d'avoir décalé le fou. Après le cavalier noir, ensuite, c'est quoi le blanc? Avancer la reine blanche de 2 vers la diagonale droite. De 2 en diagonale à droite? Ouais. Donc c'est à l'extrémité de l'échiquier. Ouais, c'est bizarre, mais j'ai pas ça sur le jeu. Eh ben, tu m'as dit une connerie. Ça a rembobiné. Et merde. Alors. Tac, je recommence vite. Roi. Oh putain, je vois plus rien. Lui, c'était de 3. Ah non, j'ai pas déplacé, je sais plus quoi. Lui, c'était ça, je crois. Non, c'est pas ça. Ah, je vais devenir fou et je vais regarder ta soluce que tu m'as transmise parce que je viens taré. C'est juste une image, hein, donc ça donne pas grand chose, mais voilà. Ouais. Ensuite, les noirs, c'est lui qui s'avance d'un pas. J'ai la reine qui fait un mouvement de 2 sur sa. Non, la reine. De 2 ensuite. Lui, j'ai lui qui passe là. Ensuite, j'ai la reine qui refait un mouvement, mais visiblement. Alors, la reine blanche, dans son deuxième mouvement, elle va en face ou elle va en diagonale? Elle va en diagonale pour aller sur le pion du roi. Ah bon? De combien? Le maximum. Ça? Non, le jeu me le refuse. On s'est pas compris. Ah. Le deuxième mouvement de la reine blanche, on s'est pas compris. Avancer la reine blanche de 2 vers la diagonale droite. Ah ouais, non. Le dernier gel, il est mort. Le dernier gel, tu vois rien. C'est abusé. Bon, je vais regarder ton image parce que ça m'en fout. Le jeu est savamment conçu, mais là... Alors, Steam Community Error. Ton image, tu me l'as transmis dans les dialogues, le chat intégré de Steam ou pas? Ouais. Alors, tu sauras qu'elle a été interdite pour éviter la triche. Comment ça? Bah, c'est-à-dire que le lien de ton image, faut que tu me la balances dans le Discord, pas dans le Steam. Ah. Eh oui, ils ont pris leurs précautions pour rendre tabou l'image. C'est des malins. C'est des malins. T'as pas le droit de tricher. Il faut que tu m'envoies ce lien dans le Discord, s'il te plaît. Dans le Discord, dans mon chat de Twitch, plus simplement. En plus, tous les intéressés pourront regarder. Oh la vache, ce jeu! Waouh! Hop! Ah, il est pas.
je vais pas récupérer. C'est l'image interdite. L'image interdite. Je l'ai remis aussi dans le chat Steam. Merci, je vais regarder. Ah, là j'ai quelque chose. Ça, c'est le plateau final, hein, fini. C'est le plateau final. La réponse, elle est bancale. Alors, attends voir. Attends voir que je te gère tout ça. Alors, oh bordel! Alors, pardon le chat, je ne vous vois plus. Mais c'est dans l'intérêt du jeu. Il faut que je voie la soluce. Oh la vache. D'accord. Ah merde, oh le salopard. Oh, il me l'a refusé. Je suis en train de faire de la mouise avec la chaudière. Ah, je viens pas. Ouais. Alors, effectivement. Allez. Donc ça. Oh la vache. D'après les deux pions face à face, tu dois dépasser un fou, vraiment. Ouais. Bordel. Ah ouais, non mais c'est juste l'enfer. Oui, non mais d'accord, mais j'ai merdé le truc. Merde, je me suis fait prisonnier avec les... Ah! Ah ouais, non mais je comprends pourquoi t'as galéré à nous guider là. Donc lui au niveau des blancs, ouais, bien positionné. Comment t'as fait pour faire avancer le roi aussi? Il y a le plomb de mon cheval à bouger avant, comme moi. Ouais. Effectivement. La reine rebougeait, je crois. La reine se barre. T'es sûr que la reine blanche... La reine de 2 va en diagonale droite. Ah, je vois ce qui a merdé. D'accord. Enfin, je crois savoir. Attends. D'accord. Et la reine, elle peut bouffer. Ah, on était bon à un mouvement près. En fait, il fallait que je bouffe le pion. On avance. C'est bon. On avance. Waouh, il n'y a pas de physique. Je viens de traverser le pupitre comme un fantôme façon Casper. Et moi, je joue maintenant, moi. Quoi? Mais comment est-ce possible? Ça n'a pas de sens.
Attends, j'essaie de comprendre quelque chose. Oh merde, je crois que j'ai compris. Il faut que tu me trouves un bouquin. T'as plusieurs bouquins là où t'es, tu une scène. Ouais, attends, je vais remonter à ma bibliothèque. S'il te plaît. Il faut lequel ? Alors, déjà, il faut que tu me trouves et que tu élimines. Hein, il faut que tu me trouves un bouquin qui démarre sur la gauche avec une fleur. Triangulaire, là, un peu. Il me faut la fleur, ah, déjà. Là, j'ai une tente de chat, donc c'est pas ça. Bah, on pourrait dire une fleur chat, quelque part. Une fleur et à tête deuxième, de chat. En deuxième, ouais. J'ai une sorte de chat, là, en fleur. Et après, une sorte de. De dôme avec une croix dessus, presque. C'est ça. Le troisième symbole, c'est ton fameux M avec la planète, c'est ça. Ouais, une sorte de. Après, une sorte de bougeoir. Ouais, ou un mec qui lève des bras au ciel, ouais, ok. Et le dernier symbole, on dirait presque le visage d'un. D'un cyclope. Ouais, c'est ça, bon, bah, c'est ça. Il faut faire quoi avec ça? En fait, il faudrait que tu me donnes une indication, il faudrait que tu arrives à en décrire, à en déduire sur un damier de 5 sur 4. Non, 5 sur 5. Un damier de 5 sur 5, il faut que tu me donnes le bon chemin. Ah là, j'ai un truc, j'ai un texte. Ouais, mais le texte va t'aider en rien. Alors, ah si. Il me dit starting from the far est. Ouais. After moving two step north, head two step toward the west, move two step toward the north, take a step east. Top, une erreur. Je viens de me faire planter. Oh non, mais il abuse. Oh, mais la sensibilité, elle est trop. Non, mais c'est au millimètre le truc. Alors, deux pas vers le nord. Ouais. Tu pivotes à droite de 90. Ouais, ouais. Deux cases. Ah oui. Tu pivotes à droite de 90, une case. D'accord. Ensuite. Tu pivotes à gauche de 90, deux cases. À droite? Non, à gauche. À gauche. Non, c'est pas ça. Donc. Quoi? Oh merde! À chaque essai, on change de bouquin. Ah oui, en plus? Oui. Donc t'as quoi, toi, ça? Alors, j'ai l'espèce. Alors, sans l'effet plante, hein, j'ai juste la tête de chat triangulaire. J'ai comme une verge, on peut l'appeler, hein, excusez-moi du peu, on dirait franchement le sexe masculin avec une capote. Un kiki, on va appeler ça un kiki. Le troisième symbole, on dirait un ballon baudruche qui est accroché à une colline, enfin un demi-arc de cercle. Ouais. Ensuite, t'as l'espèce de chandelier à trois sphères où le gars qui joue des maracas. Ah, t'as pas trouvé le bouquin. Si, si, bon, attends, j'ai le truc devant moi. D'accord. Et le cinquième symbole, c'est la maison avec les touffes sur les côtés. De tout à l'heure. Alors, devant tout l'échiquier avec 5 cases devant toi. Oui. Tu pars sur la quatrième. Alors, en allant de droite à gauche ou de gauche à droite? Non, de gauche à droite. De gauche à droite, la quatrième. D'accord. Ouais. Je fais normalement, quoi? Il se passe rien. T'es sûr? Oui. Donc là, tu vas de une devant. Ça va, je suis vivant. Ensuite? Tu tournes à 90 à gauche. Sur ma gauche, ouais. Et de une devant toi. Une. C'est bon. Tu tournes à droite de 90. Oui. Et une devant toi. C'est bon. Tu tournes à gauche de 90. Oui. Et t'en fais deux. C'est bon. Tu tournes à droite de 90. Oui. Et toi tout droit. Oh, bien vu. Bravo. Oh, j'ai une garde-robe. J'ai un meuble où je peux choisir 7 costumes. C'est cool. Ah, bah j'en ai une autre à l'opposé.
Attends, j'ai une porte ouverte de mon côté. Attends, je vais y aller voir. Waouh, je peux changer de fringues. J'ai plein de vêtements. Ah, je suis dans une sorte de théâtre, moi, c'est bizarre. Fauteuil. Alors, j'ai une voix qui m'a dit bienvenue au petit théâtre. Il faut visiblement faire une scène de théâtre. J'ai un levier de scène et un levier de lumière sanglante. Ouais, parce que j'ai trois panneaux de décor, on va dire. Un gramophone. Un gramophone ? Waouh ! Et ton disque. Ouais, je vois ce que c'est, mais je suis surpris que t'aies ça. J'observe les lieux, c'est pas des trucs... Vie. Vous du Dieu. Je peux pas ouvrir pour l'instant. Si je m'enroule, le camp vote, c'est quoi? Ça m'a fait de la lumière. Ouais. Et j'ai un truc au plafond qui est apparu. Une sorte de chauve-souris, on va dire. Waouh. La lumière sanglante. Non, pour moi ça fait rien. Je sais pas, j'ai activé l'interrupteur lumière sanglante et il se passe rien. Ça, j'ai un panneau, je crois que j'ai 6 manivelles. Ah, je peux en tourner que 5. Alors, j'ai un panneau de 6 manivelles que je peux tourner à gauche et à droite, mais pas les 6. Il y en a une qui semble cassée, donc il m'en reste plus que 5. À moins que tu peut-être la réparer, l'autre, je sais pas. Je sais pas. Essaye d'en activer une pour voir, de faire quelque chose avec. Je peux faire un tour complet dans le sens horaire ou anti-horaire. Attends, je regarde si ça change. Pardon. Ça change quelque chose dans la, je pense, dans la scène de théâtre. Bon, ça n'a pas bougé. Ça, par contre, est-ce que ça a bougé? Pas sûr. Waouh, c'est tellement étrange. Attends, je suis en train de tout déglinguer comme un gros maboule. Ah! Alors, dans ta scénette, est-ce que tu as un trio de mecs, une épée ou un glaive qui fait un point d'impact, qui semble se briser, et une couronne de roi? Non. Parce que moi, j'ai trois trucs amovibles. J'ai une scène de trois, un trio de... Quoi? La marionnette a fini la scène. C'est moi. Ah bon? Ouais, vas-y. Bah oui. Vas-y, we try from checkpoint. Vas-y, attends, moi j'ai cliqué déjà. Mais j'ai déjà cliqué moi aussi. Ah, bizarre. Tellement étrange ce jeu. Moi j'ai une marionnette qui fait une sorte de jeu de chat. Oh, je suis deg. Il faut que je recommence ta combinaison. Ah. Je sais plus ce que c'était. Laquelle? Bah la même que la précédente en fait. Genre avec l'espèce de truc zizi tout ça là. C'est ça. Donc quatrième. Ouais. Un devant. Ouais. Un à gauche. Ouais. Sur ta droite. Ouais.
deux sont à gauche. Et au fond à droite. Oh la vache. C'est cruel. C'est bon, je suis passé dans l'autre salle. Mais comment t'as provoqué la fin de la scénette? C'est fou ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors moi j'ai peut-être une indication qui va t'aider. J'ai deux trucs de scène. Il y en a un qui est inamovible. J'ai au premier plan, j'ai un château. Et à l'arrière-plan, j'ai une couronne de roi. Premier plan, château. Deuxième plan, la couronne de roi. Ah, c'est aussi une énigme limitée dans le temps. Oh merde. Manquait plus que ça. Donc cette énigme sera limitée dans le temps. Il y aura un pantin côté creepy, il y aura chez moi, qui se rapprochera au fur et à mesure. Il faut jouer la pièce de théâtre en appliquant le bon scénario et écouter attentivement le gramophone lorsque là, vous l'activez pour chaque pièce. Oh merde. Le but est simple, écouter le gramophone et disposer le décor correctement à chaque fois. Ouais, j'espère que t'es bon en anglais. Explorateur de nos côtés, il dispose de 6 manivelles qui représentent le haut, enfin de haut en bas, gauche à la droite. La première inutile. Après, t'as la porte du château, le roi, la reine, le roi fou et le peuple. Oh la vache. Et le libraire, c'est-à-dire moi, en écoutant attentivement le gramophone, il devra dire à l'explorateur si le décor est disposé correctement. D'ordre, le décor disposé suivant. Donc, t'as soit scène 1. Porte peuple, scène 2, porte roi reine, scène 3, porte roi reine peuple, scène 4, porte reine peuple roi fou plus lumière de sang, et la scène 5, c'est la roi plus lumière de sang. Après ces scènes, la trappe du fond sourira. Première scène, s'il te plaît, décris-la moi. Porte et peuple. Alors la porte, c'est quelle manivelle? C'est la deuxième, pas la première. Oui. D'accord. Par rapport à ce que tu m'as dit, le deuxième truc, c'est quelle manivelle? Le peuple, je crois. Le peuple, c'est en bas à droite. En bas à droite. Ok. C'est la dernière. D'accord. D'après toi, c'est la scène 1, ça. Merde, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. Il s'est passé un truc de ton côté? Non, sur la scène. Non, il n'y a rien sur la scène. Alors attends, tu m'as dit quelle manivelle? Celle en bas à droite, mais avant laquelle? La deuxième, enfin la première quoi. D'accord. Oh la vache! Putain, c'est dur. Quand je dis deuxième, c'est la deuxième qui marche, enfin c'est la première qui marche. Oui, j'ai compris, t'inquiète pas. Il me dit pas scène 2, hein, c'est pas bon. Hein. Tu m'indiques pas les bons trucs. Hein. Ou alors j'ai rien capté. Bon, j'essaie d'écouter ce que dit gramophone. Ouais. De château. Possible cette quoi, j'ai plus rien. Attends, j'ai tout qui est disparu. C'est quoi cette merde? Recule. C'est quoi le délire? Ah si, il y a des trucs qui sont apparus. Moi, ah bon. Mais c'est pas avec ça que je voulais interagir, Minuche. Attends, j'ai l'impression de réinitialiser le bordel. Non, mais c'est trop dur ce truc, c'est impossible.
Moi, tout à l'heure, j'ai vu des décors bouger. Hein. Mais là, t'as plus rien ? Ouais, j'ai plus rien. Toujours rien ? Non. Et là ? Non. Merde. Tu m'as dit ça. Génial, le truc qui agit. Et pas. En bas à droite. Non. Non, mais j'ai un bug. J'ai un bug dans l'interface. Je veux changer de manivelle. Là, j'ai une porte qui a apparu. J'ai une porte qui a apparu là. Ouais. Là, t'as fait la porte du château et il faut le peuple. Donc, c'est la dernière. Toute dernière. Ça ? Non, visiblement, c'est pas ça. Dis-moi quand c'est bon. Là, j'ai toujours la porte. D'accord. Ah, j'ai un début de quelque chose. Ah, la porte est en train de rentrer. Et là, j'ai un bonhomme qui a... Et là, j'ai un roi qui est sorti là. Ça, c'est impossible ton truc. T'es déjà sur la bébête, elle se rapproche, moi, la bébête. Hein. Bah, je sais bien, mais j'y vais au pifomètre. C'est un cauchemar ton truc. Je suis désolé. Hein. Ah là, j'ai une scène avec un tour de bouffon, un monsieur et une dame. Génial. Une scène de la cour. Voilà, c'est merveilleux, je sais pas quoi faire. C'est compliqué de faire quelque chose là. Ouais, non mais je pense qu'on va pas aller au-delà de l'épreuve là, parce que là je pars vraiment très pessimiste. Là j'ai pas tard à crever là. Oui bah je le devine. Non mais je suis navré, mais on ira pas au-delà de cette épreuve parce que... Là je t'avouerai que je suis assommé par la chaleur, puis je commence à vraiment avoir faim donc... Faim ? Quick. Non bah je suis navré. Bon, ah bah, de mon côté, j'ai plus rien. J'ai une lumière rouge qui s'est activée là. Oui, c'est 200, moi là. Qui ai mis l'effet 100. Mais franchement, je suis perdu là, je sais pas quoi faire. Mais je suis navré, je suis assommé par la chaleur. J'ai 29 chez moi, je suis en train de mourir là. De... Mon cerveau se liquifie. Non, on verra plus tard une autre fois. C'était sympa, merci, mais là j'en peux plus, je rentre mon antenne. Excuse-moi, tu une scène, mais je suis claqué. Si tu veux, on pourra reprendre demain. Demain, je suis dispo. Après, bon, là, c'était le dernier niveau en plus. Hein. Ouais, mais il est trop dur. Vraiment, il est trop dur. Ça me rend fou, là. Ça a quand même fait des succès. Ouais, mais bon... Si on fait une dernière tentative. Ah, c'est pas gagné, j'ai déjà quitté le jeu là. Bon, on verra un autre jour. Je quitte aussi. C'est le jeu extra, il est balèze, il est extra, mais alors. Quand même, 17 succès sur 26, hein, quand même. C'est bien, non mais on a bien joué, merci Tutsen. Mais là, honnêtement, je suis éteint là. Là, je me vois manger un morceau et je me demande si je veux pas être couché dès 21h. C'est te dire à quel point la chaleur m'assomme. En plus, on est samedi, je suis perdu, moi, exactement. Oh là là. On dimanche. Ouais. Non, demain, normalement, c'est encore repos. Enfin, du moins, je te le souhaite. Mais non, là, je suis éteint. Merci. Je sais pas, je vais faire un relais de chaîne à je sais pas qui. Déjà. Il y a plein d'autres bundles, hein, donc, d'autres on va dire, DLC. Ouais, c'est bien. Vous me voyez même plus d'ailleurs avec le peu de lumière que j'ai. T'es éteint, c'est normal. C'est ça. Exactement. C'est terrible. Il n'y aura pas de braquage à une main ce soir, hein, demain.
Bah, peut-être demain, je sais pas si demain t'es dispo. Pas toujours. Ouais, bah c'est bien, on se passe à demain. Tu te manifestes demain, tu me le dis, et puis on se lance là-dedans. J'ai mon programme par défaut, mais c'est un programme par défaut qui est fait pour être bousculé, si tu veux. N'importe quelle heure, moi, donc. Bah, moi, je pense que je viendrai entre 9h et 10h le matin, et par défaut, j'insiste lourdement pour le par défaut, je ferai du Final Fantasy, alors, mais dès que tu auras envie de te manifester à moi et qu'on joue ensemble, j'interromps tout, et puis on se relance là-dedans, ou dans le enfin dans le braquage à une main, ça sera rigolo. Il faudra remonter deux autres personnes. Ah oui, ça se fait à 4. Eh ben, on propose s'asseoir dans notre groupe de copains sur Discord, et les intéressés se manifesteront à nous demain dans la matinée s'ils sont frais et dispo. blablabla. Mais oui. D'ailleurs, blablabla. Ça ne dit pas le nom de joueurs, ça. Oui, blablabla ne dit pas le nom des joueurs, tu m'étonnes. Alors, qui c'est que j'ai dans les radars qui diffuse? Ah bah, personne. Enfin, mon primo radar. Moi, je vous dis déjà bonne soirée, bonne à tout le monde. Merci à vous d'avoir été là. Mais là, pardon, la chaleur, c'est la chaleur qui me cause le plus de dommages. Là, il fait lourd chez moi. Il va falloir que j'aère ma façade nord et je suis en train de me liquéfier, littéralement. Et je rentre vraiment douche, dans le mal. Oui. Une bonne douche. Oui, ça va faire partie de mon programme pour m'aider à m'endormir dans de bonnes conditions. Ouais. C'est ça. Mais merci, c'est une scène. Oui. Dans les commentaires du jeu, là, il y a un mec qui a mis Jamel Debout Simulator. Oh. Oui, le pauvre. C'est vrai qu'il était handicapé de naissance, je crois. Ou il a un grave accident quand il était jeune. Quoi? C'est pas de naissance, c'est un accident qu'il a fait avec un métro ou un RER, je sais plus l'histoire. Ah merde, tu vois, j'avais un doute. Ouais. Donc, Jamel Debout, il s'est mutilé en fait d'une main à cause d'un. Oh, c'est horrible. Oh. Ah oui, l'histoire de train ou le métro. Oh la vache. Oui, c'est effroyable. Mais bon. Oh, j'ai pas mal de monde qui est tout seul. Alors le coyote, il a deux personnes, il fait du Red Dead Redemption. J'ai Fulco qui est tout seul, Balivania qui est tout seul et JJB qui est tout seul. Oh, Morbo, je suis content. Pour une fois, Morbo, il a 4 personnes. Alors, si vous êtes intéressé de voir Morbo, il est sur du Stardew Valley. Alors, Mystère, il fait de la PS4 des temps de Fulco. Je vais mettre en lumière Fulco, moi, ce soir. C'est vous aussi, Fulco. C'est ça. Excellent. Hop là, voilà. Moi, je vous dis bonne soirée. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Encore merci, Tunesen, d'avoir été mon compagnon de jeu pour cette fin de journée. Une sorte de guide, presque. On peut le dire, c'est vrai. Mais tu le fais très bien. Franchement, bravo. C'est pas la même chose. Hein. Parce que là, c'est un jeu, on sait. Ben, oui, mais c'est bien. Je dois reconnaître que, franchement, tu c'est bien. Tu donnes les bonnes instructions, c'est... Moi, je te confesserai que je m'attendais à être davantage en échec. Mais là, la dernière, la scénette de théâtre, ça m'achève. Encore, tu vois, on serait en dehors de l'été. Je serais plus frais, je pense que je serais d'attaque. Mais là, vraiment, j'en arrive même honnêtement à avoir des douleurs musculaires. Mon bras droit, là, qui me permet de gérer ma souris, je commence à avoir mal au biceps. C'est alors que je ne fais pas d'effort particulier. Mon bras est posé sur la table, à contrôler la soulerie, j'arrive à avoir mal au biceps. C'est pour te dire à quel point la chaleur me fait des dégâts. Enfin, la lourdeur. Ouais, ouais. J'ai 31 chez moi, alors, pas toi. Hein. J'ai 29, mais je suis une petite nature, moi. Il ne me faut pas grand-chose et je suis raplapla, c'est une catastrophe. Faire des promenades en forêt. Attends, faudrait que j'essaye. Attends, j'essaye de provoquer mon relais de chaîne. Attendez, voir. Mon relais de chaîne. Je m'entends en double, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, je m'entends en double, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Le contrôle pour dire que je veux aller chez Fulco. Bah, pourquoi il me propose pas le. Attendez, je vais refaire le relais de chaîne. Moi, je vous dis à demain. À demain, prenez soin de vous. Bisous tout le monde. Est-ce que j'ai bien orthographié Fulco qui fait une démo, je ne sais pas laquelle. Ne vous permettez pas de lancer un raid. Pardon ?
Je peux pas lancer de raid sur ma propre chaîne, mais c'est un scandale. C'est quoi ce bug? Ah, j'ai passé par l'interface graphique. Oh, j'aime pas la nouvelle interface. Ils l'ont mise à jour et c'est nul. Bouh. Bouh, bouh, bouh. Oui, Fulco. Je vais lui lancer un relais de chaîne. Nous ne sommes pas en mesure de lancer un relais de chaîne chez Fulco pour le moment. Ah, est-ce qu'il les refuse? Je suis peiné. Mais... Alors, pour ceux qui veulent voir Fulco éventuellement... Voilà, je vous décline sa chaîne. Je vais pas dire, mais dépeiner avec tes rondelles, c'est bizarre. Oula. Oh mon dieu. Ou j'ai JJB qui fait du Nio. Alors on va aller voir JJB live. Alors raid de JJB live. Le chat réservé. Alors il vous saurez que sur sa chaîne, c'est réservé à ceux qui suivent et aux abonnés. Bon, c'est sa politique, hein. Bon, ça se respecte. Je sais que certains n'aiment pas, mais c'est un gars adorable, JJB. Allez, moi je vous dis à demain, bonne nuit, merci. Je suis KO, vraiment. Des bisous. Oh, pardon. Oh mon dieu, je vais avoir un rototo horrible. Merci tout plein d'une scène, bonne nuit, à demain. C'est bon, t'es plus en direct là, c'est bon? J'enregistre encore pour YouTube. Attends, si tu veux me dire un truc en confidentiel, laisse-moi 30 secondes, s'il te plaît.